Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh, hey, lance quand là? Oh, nique ta mère! Mais non, bon. Mais quoi? Comment ça? J'attends, je prépare le truc! Nous on attend, on est en stand-by, on est dans. On est... Ouais, tu stand-by, ça veut dire tu fermes ta gueule et t'attends. Et il va falloir que je fasse Zbra. 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 Et il va falloir que je duplicate ta gueule. En attendant. Et je vais mettre Emerald Plain. Par contre, renie-moi ta gueule une fois, je m'en perds. Ta gueule. Vraiment, je sais pas. Remember it. Mais les serveurs EU STP, bah oui. Il n'y a pas de stream hack quand on part en custom game. Pourquoi j'irais vous mettre tous aux États-Unis? Non, l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, ma première rencontre vocale avec 6-4 s'est faite sur un Teachus, mesdames. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Dégage! Ma première rencontre s'est faite sur un Teachus. Non, mais faut que le peuple sache. Est-ce que tu te rappelles de ce Teachus? Oui, bah comme si c'était hier, ça a changé le cours de ma vie. C'est vrai en plus, c'est vrai. T'as perdu des cheveux depuis. Ça l'a totalement transformé. Il s'est mis à rider, il s'est mis à perdre des dents. C'est le stress, on m'a dit. On m'a dit, Mary, tu lui fais un sale effet. J'ai jamais trouvé la vidéo du Teachus d'ailleurs. Ok, bah tu vas sur la chaîne 6-4 de YouTube, tu fais moteur de recherche, tout ça quoi. Normalement, ça te guide un petit peu quand même. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi, Bobby? Tu me mets dans une pintade. J'ai envie de jouer là. Ah, 6-4, j'étais venu pour ça en plus, je suis un imbécile, j'ai totalement zappé. C'est quoi la map qu'on joue? C'est la nouvelle, on est d'accord? Oui. Bah voilà, et ces bouffons là dans mon équipe, ils étaient là à dire mais non, c'est pas la nouvelle. Oh non, sérieux, c'est bonjour l'ambiance quoi. Sinon, ça va toi? Oui. Je suis content. Je suis content que t'ailles bien parce que tu sais, quelque part, quand tu vas bien, moi je vais bien. Voilà, c'est pas. Voilà, il n'y a pas besoin de philosopher, de faire une phrase de ouf. Quand tu vas bien, je vais bien, je suis content. Je suis content que t'ailles bien, mec, ça me fait plaisir. En plus, des fois je me dis ça en plus. Des fois, je me dis. C'est le mec qui fait que de parler. Ah non? Des fois... Non, ça va. Des fois, je me dis, quand t'es pas bien et que moi je suis bien. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de t'afficher mon bonheur à la gueule. Ouais. Et j'ai pas envie de ça. Je veux que tu sois bien. Donc là, si t'es bien et moi je suis bien, franchement, c'est bien. Mais sur une échelle de 1 à 10, tu situerais ton bien-être à quel niveau à peu près? 2. Ah ouais. Oui, donc t'es vraiment dans une. Waouh! T'es bien quoi. Contrairement à moi d'habitude, t'es vraiment bien. Non, moi je le mettrais à 7-8. Je le mettrais à 7 en vérité. Après réflexion, je le mettrais à 7, mais avec un ascendant 8. Ça serait plus dans cette optique d'aller bien. C'était il y a quelques mois. Le reptile fait 3 mètres de long et va se hisser sur la terrasse. Alerté, la police repousse simplement l'animal dans le canal. Vous allez le remettre. Tu me dis dès que les games sont prêtes? Il y a une heure. Ah, c'est bon, on m'a invité? Bah oui. Ah, je suis désolé. Mais oui, mais moi je parle, mais il faut m'arrêter. Non. C'est toi, Surason? Tiens, tu l'invites là. Non, c'est quoi ça? Mais non, mais vous m'avez pas invité. Alors, si c'est pour me mentir, c'est pas cool. Ok, j'ai accepté. Et là, faut que j'invite les autres? Moi, je les ai pas en amis. Je les connais même pas. Matchmaking. Ok, mais alors, comment ça se passe? Et vraiment, je dois les inviter ou alors tout est bien foutu et c'est toi qui invites parce que ça a déjà été tac 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 tout enregistré et tout, non? Comment ça se passe par rapport à l'organisation, là par rapport aux invitations? Parce que là en fait, je t'explique, je me vois tout seul. Tu fermes ta gueule et tu retournes avec ton équipe et on va t'expliquer et t'arrêtes de nous casser les couilles. Ok. Les gars, écoute-moi, tu m'entends, les gars, ou pas? Oui. Ça va? Ferme ta gueule, Mary! Les gars, ne l'écoute pas, écoute que le son de ma voix. Ça va? Non, écoute-moi, les gars, tu es formidable, tu es beau. Tu as quel âge? Je vais te kicker. Les gars, lui réponds pas. Ne l'écoute pas, c'est le chant des sirènes, les gars. Ne l'écoute pas, il va. Ah, ok. Les gars, du coup, ça va? Oui. Ok, très bien. Est-ce que papa est là? Non. Il est où? Il est au boulot ou quoi? Est-ce que maman est là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que maman est là? Oh non. Ne réponds pas, Kléga. Kléga. Oui. Kléga, lance ton live qu'on fasse un squad à 3 avec Mary, ok? Ok. Pourquoi tu voulais pas le lancer, poulet? Je pensais pas stream. Ok, mais pourquoi? Parce que ça te dérange? Non, je lance. Mais si t'as pas envie, tu le fais pas, hein? Si. Donc t'as envie? Écoute le son de ma voix.
Ok, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Bah, c'est un brouhaha derrière. Kléga, fais abstraction, c'est le chant des succubes. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas influencer, Kléga. Ok, lance ton live. Et donne-moi le lien. Voilà. Qu'on te mette en avant. Et mettez le truc. Voilà. Il faut être partenaire, il faut être partenaire. Il faut être partenaire, si. Ah ouais, pour être. Oui, ça marche pas. Ah, je savais pas qu'on pouvait pas faire le squad avec un affilié. Non, mais il y a beaucoup de choses que tu sais pas, donc ça serait bien que tu fermes ta gueule. Vas-y, on va aller voir Mary en fait. On va voir ce qu'il lui donne depuis le temps. Ah, il découvre la map totale, regardez. Ah, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Quoi. Voilà, c'est pas mal ça. Drone, putain, Mary là. Ok, c'est pas mal. Trop de face check une fois de plus, mais bon. Trop de face check là. Là, on sait pas. Ça sert à rien. Ça, il remet alors qu'il pourrait le casser. Voilà. Oh non, mais non, Mary, non. Non. Qu'est-ce que c'est? Il va mourir électrocuté, tu vas voir. Le scan n'est pas bon. Oh là 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 là. Ah putain, Mary, franchement. 5 ans, comment à 5 ans? J'aimerais être bienveillant, tu vois. J'aimerais vraiment. Genre, il a bien joué, et il s'est vraiment amélioré et tout. Et ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir parce que Mary, c'est un pote. Mais c'est un pote qui pue la merde, en fait. Et tu sais pas quoi lui dire, en fait. Tu vois, ton pote qui pue la merde dans les jeux vidéo et qui est là, ouais, grave. T'as envie de lui dire. Bah, peut-être qu'il va falloir penser à autre chose. Hein? Ok, donc quelle note pour Mary? C'est parti. Du coup, vous avez mis combien? Vous avez mis 2. J'ai mis 0. Bravo, bienvenue Rainbow Six. Merci Mary. 5 ans de Rainbow Six. J'ai été le plus objectif possible. Je me suis dit... Ah non, c'est de la merde. Voilà. Ok, on va aller sur Vigolf, hein, vu qu'on est dessus. Ça, c'est incroyable. Vigolf. Ok, on y va totalement quoi. On se retrouve un peu dans la merde là. Ouais, mais là on sait pas trop quoi jouer. C'est un peu la merde, on repasse devant et on a de la chance. Tout ça, c'est pas parce que le résultat est pas trop mal que le move est bon. Le move est mauvais, c'est V- ça. Non, ça se casse pas ça, mais effectivement il faudrait qu'il change la couleur. Merci de changer la couleur, on dirait que c'est un mur cassable. Si la musique vous emmerde, faut casser la vitre du jukebox qui est en face de vous, qui est pas vraiment un jukebox là. La vitre qui est juste à sa gauche là. De la platine. De vinyle. Ah oui, le vinyle pour les joueurs de Fortnite. C'était un truc utilisé à l'époque où les gens avaient du goût. J'aime bien faire mon vieux. Oh, la petite pixel line là, j'aime bien là. Oh, il joue bien Vigol là. On voit bien dans les mécaniques que c'est pas parfait, mais c'est bien là. Les petites décales sont bonnes, on prend pas de risque. Voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de move qu'on a envie de voir pour une personne qui sait jouer R6, mais qui manque un peu d'entraînement sur la partie mécanique pure avec le truc. Blam, 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 là, petit chécopique, pam, pam, dandiné, je blaf. Mais tout est propre et logique. Heureusement, parce que le début du round était un peu chaotique. Mec, il en reste qu'un. 0 situational awareness. Il en reste un, il a pris un lésion à droite. Qu'est-ce que tu regardes à gauche? C'est un peu con ça, ça va lui faire perdre un peu de points, mais ça c'est juste du game sense quand même. On regarde en haut, il en reste un, ok, je réfléchis, logique, enfin, j'ai pas besoin de regarder à gauche, on sait qu'il est à droite, il aura pas le temps de faire le tour. Du coup, Vigol, bon c'est pas mal, il a pas fait d'erreur, il joue sérieux, moi j'aime bien. Ok, vous avez mis quoi comme note hein? Vous avez mis la note de 6. Pour le moment, on est en phase les amis. On va aller voir qui? On va aller voir la momie française. Oh là, il y a du niveau là. Oh là, il y a des petites. Oh, il y a des petits. Oh, rien que là, j'aime bien là. Ça dandine un peu là. Oh là. Oh là. Ouais, c'est bon ça. 0 drone. Ouais, j'avoue. Ah, c'est Twitch, elle en a que 3. Bon, il est pas mauvais quand même. Les mécaniques sont bonnes quoi. Voilà quoi, mais en revanche, je sais pas si c'est le bon teammate quand même. Ok, au niveau des je sais pas. On sentait bien qu'il était un peu en mode, je vais aller faire les kills dans mon coin quoi.
On sent le genre de ranked qui parle pas beaucoup, tu vois. Et vous avez mis combien pour elle? La Twitch? Oh, vous avez fumé du crack, hein. Vous avez mis 7. Non, vous êtes trop gentil, moi j'ai mis 6. Non, franchement. Oh, on va revoir Mary, hein. Voilà, là je pense qu'on va voir toute l'intelligence des joueurs. Ah là, oui. Le bait. Attention, c'est pas un bonus, ça. Qui a pensé qu'il allait se craquer? Allez, avouez, soyez pas médisants, me laissez pas tout seul. Ah, je sentais le C4 lui revenir en pleine gueule, un vent d'ouest. Oh, il doit être tout content là. S'il est content, c'est facile, il est sérieux. Et il va faire, hein. Ouais, c'est normal, hein. Je suis sorti parce que j'ai vu en fait le Grand de Flores, hein, je t'explique. Il va vouloir vous expliquer le truc. Il imite bien Mary, c'est fou. Ok, j'ai envie de revoir que les gars. Joue Finca. Oh putain, la vache. Il joue bien que les gars, il joue intelligemment. Mais il manque. C'est la finition qui manque. Il joue du beau R6. Il s'applique. Voilà ce qu'il faut. Et il manque la finition, ce qui doit être un peu frustrant de temps en temps, je pense. T'as un bon joueur support. Là, j'ai envie de voir claquer de la revenge. Je pense pas qu'il faille jouer de la Finca. Je pense que c'est un bon joueur support. Ça se voit, les joueurs support, tu le vois. C'est les joueurs intelligents. Ok, laissez tomber, il est con comme une bite. Non, je rigole. Le Guise. Le Guise, c'est le papa de Klega dans le chat. Waouh. Encore une fois, pas de son dans les escaliers. Que dalle, hein, on n'a rien entendu. GG. Bon, c'était cool en tout cas.